Comment récupérer son ex après une relation courte? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer si tu as plus ou moins de chances finalement de récupérer ton ex parce que la relation était peut-être trop courte. Je vais te donner aussi quelques astuces à travers cette vidéo pour arriver du coup à te dépatouiller dans ta reconquête amoureuse, même si ta relation finalement était quand même très brève à la base. Mais je vais aussi évoquer les raisons qui peuvent amener une séparation finalement rapide, dans le sens où bah, la relation était courte et que la logique aurait voulu qu'il y ait plus de temps avant de pouvoir se décider. Mais avant de commencer, en complément de cette vidéo, je t'ai laissé avoir accès à un mail dans lequel je te donne une checklist de 14 interdits. Donc, ce sont des interdits qui sont parfois un petit peu traîtres. C'est pour ça que j'ai voulu les évoquer dans cette liste. C'est un véritable petit guide, tu vas voir, que tu vas pouvoir garder sous le coude pour t'aider justement à faire le moins d'erreurs possible. Très simple pour y accéder, c'est une fois que tu auras terminé de visionner cette vidéo que tu pourras aller en dessous de la description de cette même vidéo, cliquer sur le lien. C'est peut-être la première fois que tu me découvres aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. Donc, je suis Christelle Lepage, je suis spécialisée en dynamique amoureuse. Je me suis rendue experte avec le temps en reconquête amoureuse. C'est un sujet qui, moi, me fascine parce qu'il y a énormément de gens qui sont en mesure de se séparer pour finalement décider de redonner une chance à leur ex. Généralement, ça ne se fait pas par hasard. C'est parce qu'il y a justement des personnes qui sont en mesure aussi de faire ce qu'il faut pour que l'ex ait envie de leur redonner une chance. Donc, je suis là pour te conseiller, te guider à travers cette chaîne, faire en sorte que justement tu aies un maximum de chances pour retrouver ta relation. J'insiste sur le fait que toutes les reconquêtes pour autant ne sont pas possibles, mais il y en a qui fonctionnent, c'est pour ça que ça vaut le coup de tenter ta chance. Et également qu'il faut qu'il y ait de vraies raisons pour le faire. On ne peut pas chercher à reconquérir un ex juste parce qu'on s'est senti rejeté, qu'on a une blessure à l'ego et qu'il faut se remettre avec à tout prix. On cherche à se remettre avec quelqu'un quand on est d'accord sur les erreurs qui ont été reprochées, quand on pense sincèrement que l'ex se trompe parce que la décision est hâtive ou n'a pas été suffisamment réfléchie, en tout cas n'était pas prise dans les bonnes dispositions, et que du coup, en effet, c'est du gâchis et qu'il y a quand même quelque chose à sauver, quelque chose à relancer. Mais voilà, je suis en tout cas là pour essayer vraiment de t'aider un maximum avec des conseils qui, tu vas le voir, sont efficaces parce que tout simplement utilisés au quotidien dans mes coachings personnalisés avec mes coachs. Donc forcément, sur cette chaîne, ce qui va être top, c'est que je ne vais te faire bénéficier que de choses que j'ai déjà testées et qui sont donc approuvées de mon côté pendant mes coachings. Raison pour laquelle je t'invite alors à t'abonner à ma chaîne, à cliquer également sur la petite cloche des notifications, ça c'est très pratique, ça te permettra du coup de louper aucune vidéo à venir parce que tu seras prévenu. Alors très souvent, on me demande au coaching s'il est possible ou pas de récupérer son ex alors que la relation finalement n'était pas si longue. La réponse est oui. En fait, c'est exactement les mêmes cas de figure que les relations qui ont pu avoir 20 ans. Ça peut paraître très différent et pourtant non, c'est très similaire. Donc déjà, on va essayer de comprendre les motifs de la rupture pour essayer de comprendre hein, pourquoi aujourd'hui finalement, alors que la relation n'a duré peut-être que 3 mois, 6 mois, il y a déjà une rupture. C'est quand même une clé pour travailler dessus, pour donner l'envie à l'ex de revenir. Ensuite, on va aussi essayer de réfléchir à l'état d'esprit actuel de l'ex, c'est-à-dire on va essayer de comprendre où se trouve l'ex aujourd'hui depuis cette rupture, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qui s'est passé aussi pour en arriver à cette rupture. Et bien évidemment, on va s'interroger aussi sur son comportement à tenir, parce que ta relation peut durer que 3 mois. Tu arrives à la rupture et derrière tu te comportes n'importe comment, bah forcément tu auras beaucoup moins de chances de récupérer ton ex que quelqu'un qui fera du sans faute. Et c'est pareil pour quelqu'un qui pourtant aura une relation de 20 ans. Si cette personne fait n'importe quoi, j'ai envie de dire, après la rupture pour faire revenir son ex, bah, elle aura beaucoup moins de chances qu'une personne finalement qui a eu que 3 mois de relation et qui agit de la bonne façon pour faire revenir son ex. Donc ça, c'est vraiment pour te rassurer sur le fait que le temps de la relation, finalement, ça n'empêche absolument pas un retour. Il faut vraiment prendre en considération les facteurs essentiels que je viens d'évoquer, comme dans les autres cas de figure. Cependant, je vais tout de même t'évoquer quelque chose dont j'ai pu faire l'expérience à travers ces nombreuses années maintenant de coaching, sur les relations courtes qui pourtant vont s'arrêter. J'ai pu remarquer qu'il y a aussi beaucoup de problématiques de peur de l'engagement sous-jacente. C'est-à-dire que la relation se passe très bien sur vos premiers mois,
Ça part peut-être même des fois tout feu, tout flamme. Et pourtant, du jour au lendemain, vous allez vous retrouver avec un ex ou une ex qui sort les freins en expliquant que finalement, non, c'est ou elle est trop vite, ou qu'elle ne se sent pas capable, ou qu'il n'a plus envie, ou se sent pas de s'investir. Bref, ce qui est d'ailleurs souvent très déroutant, parce que les débuts se passaient pourtant très bien. Du coup, je me retrouve avec des coachés qui sont, ce qu'on peut comprendre, un peu perdus, en m'exprimant. Bah voilà, la relation, certes, elle était courte. Mais elle était intense, elle était bien, et je comprends pas qu'en fait, au bout de 4 mois, il y ait déjà une rupture, parce que bon, ça valait pas le coup, quoi. Il y a eu un petit accrochage, et ça a vraiment beaucoup débordé pour pas grand-chose. Là, ce qui peut être intéressant du coup, c'est que peut-être parce que, hein, je dis bien peut-être, tu es dans une relation qui était courte, de t'interroger plus que les autres sur l'état d'esprit de ton ex. C'est-à-dire d'essayer de voir si t'es pas finalement en couple, enfin, tu t'es pas mis en couple avec quelqu'un qui était peut-être juste pas prêt. Peut-être quelqu'un qui s'est séparé il n'y a pas si peu de temps et qui n'a pas eu le temps encore assez de guérir ou qui n'a pas eu non plus le laps de temps de se centrer sur lui ou sur elle pour s'investir dans votre nouvelle histoire. Une personne qui a eu peut-être des relations passées très douloureuses, compliquées, qui l'ont amené finalement au moment où les sentiments commençaient à prendre le dessus ou auraient pu commencer à s'enclencher dans votre relation, prendre peur. Et à faire une marche arrière assez fracassante en t'expliquant que finalement, non, peut-être pas, je ne suis pas sûre, je crois que c'est une erreur. Donc, ça peut être intéressant dans les relations de courte durée de quand même s'interroger là-dessus parce que tu ne pourras pas du coup avoir les mêmes approches que les autres si tu veux sauver ta vie de couple. Tu vas devoir plutôt, voilà, comprendre que si c'est quelqu'un qui a une peur de l'engagement, bah, tu vas devoir y aller différemment, avec plus de patience, tenter de réapprivoiser du coup ton ex sur sa vision du couple, sur ce que tu es en mesure de lui apporter, sur le fait que aimer, ça fait pas non plus toujours pleurer. On peut aussi être heureux en étant amoureux. Donc, et là, à ce moment-là, bah, forcément des vidéos plutôt sur ma chaîne axées sur les peurs de l'engagement. Mais je voulais aussi parler de ce sujet parce que quand les gens m'appellent en me disant Christelle, est-ce que j'ai plus de chance ou est-ce que je vais pouvoir quand même récupérer mon ex alors que j'ai une relation qui avait duré que 4 mois, très souvent, pour à peu près 80% des cas, alors oui, en plus, hein, la réponse est oui, je le répète, bien sûr que ça ne t'empêchera pas de faire revenir ton ex, mais on va devoir aborder les choses de manière un peu différente parce qu'on s'aperçoit que c'est pas pour rien que la relation n'a pas duré si longtemps, c'est tout simplement que ton ex n'était peut-être pas apte finalement à se lancer dans une relation très longue. En tout cas, là où tu peux te rassurer, c'est qu'une relation amoureuse, ce n'est pas que la longueur des sentiments amoureux, c'est-à-dire de se dire qu'on a été amoureux pendant 15 ans. Il y a des gens qui sont bien plus fragiles au bout de 15 ans d'amour, malheureusement, que des personnes qui se sont rencontrées et qui s'aiment depuis seulement un an. Parce qu'il y a eu des rancœurs, parce qu'il y a de l'amertume, parce qu'il y a eu des non-dits. Donc finalement, à ce niveau-là, vous êtes tous à peu près au même niveau, hein, c'est-à-dire sur vos chances de faire revenir le partenaire qui a décidé de vous quitter. Mais c'est intéressant peut-être de peut-être plus t'accentuer si aujourd'hui tu es sur une relation qui était courte, sur l'état d'esprit, surtout de ton ex, qui l'aurait donc amené à évoquer les motifs de rupture qui ont été mis sur la table pour te dire pourquoi, hein, aujourd'hui il fallait que ça s'arrête. Que finalement sur le reste. J'ai pas dit donc qu'il fallait pas voir les autres points, mais peut-être t'axer un peu plus sur l'état d'esprit de ton ex pour arriver du coup à te montrer beaucoup plus pertinente pour avoir la bonne stratégie du coup pour revenir vers toi. Je te rappelle hein, qu'en complément de cette vidéo vraiment pour t'épauler, je t'ai donné accès à une checklist de 14 interdits. C'est un vrai guide que tu vas pouvoir garder sous le coude pour t'éviter justement de faire des ratés si tu sais pas trop comment t'y prendre. Donc, je t'invite fortement du coup à y avoir accès en cliquant sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. Pense au petit like d'encouragement si le sujet t'a intéressé, si tu veux plus d'infos justement par rapport à ça, et bien au moins ça me permet de me l'indiquer, je le saurai. Tu peux également t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre d'autres conseils à venir en cliquant sur la petite cloche des notifications ultra pratique pour être averti en fait de nouvelles vidéos et ne louper aucun conseil. Et en attendant, bah, je te dis à très bientôt pour toute la suite d'astuces au niveau de ta reconquête amoureuse.